Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Marvel Spider-Man 2, le lien est dans la description. Pensez bien au gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez c'est parti, on y va. Mets-toi au yoga. Aujourd'hui on va s'occuper de débloquer le trophée balai aérien qui vous demande de réaliser 30 figures aériennes consécutives sans toucher le sol. Quelques petits détails intéressants avant de voir comment débloquer rapidement, plus ou moins, vous allez voir, ce trophée. Eh bien déjà, comment est-ce qu'on fait des figures aériennes? Les figures aériennes doivent être faites en l'air, bien entendu, quand vous n'avez plus de toile accrochée, donc il faudra vous balancer et vous lâcher. Et quand vous êtes lâché, il faut appuyer sur carré et ensuite orienter le joystick gauche. Vous pouvez l'orienter à gauche, à droite, au-dessus, en bas. Peu importe, ça fait une figure dans tous les cas, vous pouvez même faire des diagonales, des trucs comme ça. Vous avez fait une figure quand vous allez tout simplement voir un petit nom de figure sur la droite de l'écran et également de l'XP. Vous allez gagner de l'XP à chaque fois que vous allez faire une figure. Et tout simplement, il vous suffit d'en faire au moins 30 consécutives. Cependant, le trophée n'est pas tout à fait clair là-dessus. Vous pouvez totalement vous suspendre entre chaque figure. Bien sûr, vous ne devez pas faire 30 backflips d'un coup, ça ferait beaucoup. Non, vous pouvez faire backflip après backflip, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez à chaque fois relancer une toile. C'est très important de le savoir. Donc ne vous forcez pas à essayer de faire le plus de figures possible, ça n'accélérera pas vraiment le trophée. Et bien entendu, vous l'avez compris, par contre, vous ne devez en aucun cas toucher un immeuble ou toucher le sol, sans quoi le compteur serait remis à 0. Et dans ce cas-là, il faudra recommencer. Donc 30, c'est quand même assez gros, et il faut effectivement prendre un petit peu de temps. Bien sûr, le mieux est de trouver une zone avec des immeubles assez grands, histoire d'avoir un petit peu de marge de sécurité. Le quartier des affaires, par exemple, ça marche effectivement très bien. Et vous pouvez comme ça vous suspendre et vous balancer en essayant de compter. Comptez simplement dans votre tête les figures que vous faites à chaque fois et vous allez très rapidement arriver à 15, 20, 30. Et si vous ne faites pas d'erreur, vous verrez le trophée qui finira par se débloquer. Voilà, je vous ai accéléré un petit peu la séquence parce qu'effectivement, ça reste assez long pour moi. Mais effectivement, le balai aérien, c'est comme ça qu'on le débloque facilement. Voilà qui est fait. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de me le dire en commentaire et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Pensez bien également à aller regarder le guide complet sur le site. Tous les liens sont en description et nous on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.